Le papa, il va, il donne et il fait un bisou sur la bouche de la maman. Et le papa, il a une graine dans son ventre, je sais pas où. Et ça vient dans le ventre de la maman. Et il se construit, le bébé. Et après, quand la maman sent que ça gonflait, et ben elle va à l'hôpital et il naît. On est encore de graines, nous. Regardez-moi. Et parce que le bébé, il pousse avec sa tête. Et après, le zizi, il s'ouvre. Et le bébé sort. Mais quand il sort, il est tout nu. Et il sait pas parler. Mais après, j'ai grandi. Si on aime quelqu'un, eh ben, pourquoi on le quitterait? Moi, personne m'a expliqué tout ça. Mais je voudrais savoir pourquoi on quitte les gens. Parce qu'on les aime pas? On aime, mais... Je sais pas, on a l'impression qu'on va toujours être avec lui, que ce sera jamais la fin. Avec mon vrai amoureux, eh ben... On se fait des vrais bisous de l'amour. Pour s'aimer aussi, on peut se faire quand on peut se serrer dans les bras très fort et se tenir ensemble. Et il y a une tête qui se met sur une épaule de l'autre et l'autre sur l'épaule de l'autre. Ça, c'est, on peut s'aimer comme ça. Mais il y a aussi plein d'autres façons pour s'aimer. C'est pas obligé qu'on le fasse d'une façon. Les yeux, la bouche, tout. Je le regarde en général. Si quelqu'un a des poux et qu'on s'aime beaucoup, eh ben, on doit se coller et après, on est pareil parce que les deux ont des poux, parce que les poux sont rentrés dans l'autre. Mais c'est pas obligé que tous les poux rentrent dans l'autre. Mon grand-père, il a déjà vu une grande salamandre. Une grande, mais une vraie, hein, qui allait avoir des bébés. Et on a pondu 4 fois. On peut pas avoir des enfants quand on est petit. Parce que si on est déjà des enfants, nous, comment on fait d'autres enfants? Je me pose ça, la question, depuis très longtemps. Mais si on est petit, comment on peut faire un autre petit? C'est plutôt secret, ce machin-là. Mais si, ça peut être une histoire de zizi. Parce que d'abord, les garçons, ça coule par un tout petit trou. Un petit trou, comme ça. Et alors que les filles, ça peut couler comme ça. Mais les garçons, regarde, ça coule comme ça. Et alors, si tout le monde était pareil, comment on reconnaîtrait les bébés? C'est une longue, longue histoire, ça. Pour moi, l'amour, c'est partager tous les moments de la vie, les bonheurs, les malheurs. S'aider mutuellement. Voilà, aussi. Si tout le monde était pas différent du tout, eh ben, on pourrait pas se reconnaître du tout. Par exemple, si tout le monde avait les mêmes habits, tout le monde avait le même zizi, tout le monde avait les mêmes cheveux, on dirait moi je suis Charles, moi je suis Emma, et puis etc. Mais si par exemple, moi j'avais un zizi de garçon et je serais une fille, si mon amoureux avait un zizi de fille, il serait un garçon. Comment on ferait?